Carny, comment s'est passée la semaine de préparation avant ce match face à Nîmes ? Très bonne semaine de travail. On a mis les choses en place pour pouvoir être prêt ce week-end. C'est pas un peu bizarre ce début de saison, dans le sens où vous avez joué un premier match à domicile face à Aubagne. Vous auriez dû avoir un deuxième match à l'extérieur à Orléans, mais on connaît les événements avec l'incendie et ce match à reporter. Du coup, vous allez commencer la saison avec 3 matchs d'affilée à domicile. Est-ce que c'est un avantage selon toi ? Pour moi, oui, c'est un avantage parce que toutes les équipes aiment jouer à la maison. On connaît notre terrain, on a nos supporters aussi, donc ça peut être un avantage. Mais justement, il va falloir quand même rester, on va dire, focus sur l'adversaire, car on sait très bien que les adversaires sont là aussi pour gagner, donc il va falloir continuer à hausser notre niveau. Est-ce que justement tu sens une montée en puissance depuis Bien sûr. Depuis le début de saison ? Bien sûr, on monte en puissance, on arrive à mettre des choses en place à l'entraînement qu'on retrouve un peu plus sur le terrain, donc ouais, là on sent qu'on commence à rentrer clairement dans ce qu'on recherche depuis les matchs de préparation avec le coach. Le coach disait justement qu'il vous trouvait bien athlétiquement, tu confirmes ? Oui, totalement. On a fait une très grosse prépa sur les 3 premières semaines. Et par la suite, on a switché avec les préparations physiques et en plus de ça, les préparations sur le terrain. Donc aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est à 100%, mais on commence à grappiller un peu quelques pourcentages pour être au top le week-end. Nîmes, un adversaire qui joue il n'y a pas si longtemps en Ligue 1, donc c'est quand même un gros morceau. Oui, bien sûr, c'est aussi un club qui a des ambitions dans ce championnat-là. On sait un peu comme tout le monde que c'est une équipe qui aime jouer. Et nous aussi, on est une équipe joueuse. Donc je pense que ça va être une belle affiche ce week-end au Hainaut. Merci beaucoup. Merci à vous.